Je sais pas à quoi il pense, monsieur Sarkozy, là. Mais à quoi il pense? Il s'imagine le mal qu'elle est en train de faire, là? Toutes ces femmes qui ont encore des gosses à élever et tout, mais qu'est-ce qu'elles vont devenir? Qu'est-ce qu'elles vont faire? Qu'est-ce qu'elles vont faire? Non, mais il veut plus de dans le bois parce que sa femme, elle fait le jogging tous les jours. Alors, ça gêne, hein? Moi, j'estime que je travaille au bois depuis 30 ans. Je suis assise dans ma voiture. Je suis habillée. Je ne suis pas en poil. J'estime que je ne racole pas. Je suis assise dans ma voiture. Il n'y a aucune loi qui m'interdise d'être assise là dans ma voiture. Hein? Ils n'ont pas besoin de nous voir racoler, les flics. Hein? Ils nous connaissent. Comme dans le temps, il venait directement, papier, PV, puis voilà, puis bah ça. Même le PV, même chez toi. J'étais même au boulot. Ils faisaient les PV à l'avance pour pas perdre de temps. Ils arrivaient les PV avec notre nom fait et tout. Les nanas, ils ont intérêt à mettre tout à pantalon, hein. Parce que la nana qui va se. Plus la colle roulée avec. La colle roulée et tout. Quand tu vois les travaux la nuit dans le bois de Boulogne, la moitié qui a à poil, leur sexe est en train de pendre et tout. Mais la nuit. Même le jour, ils arrivent à 2h de l'après-midi, ils sont à poil, ils ont les couilles à l'air et tout, les fesses à l'air et tout. Qu'est-ce que tu racontes comme connerie? T'as des flics, ils aiment les trams aussi, hein. Bien sûr. Il y en a, ils aiment ça, hein. On apprend tous les jours. Moi, je les vois, les motards, aller dans les sous-bois avec le tram, là, je les vois, moi, hein. Ah bah oui, moi, un jour, tiens, Thomas, toi, j'aurais dû prendre un appareil photo, photographier. La chance, ils payent pas. Tu fais sucer par les trams en sous-bois. Ah bah, je l'ai vu, là. Ah oui, monsieur, mais oui. Les policiers vous avez gâté par une petite gâterie pour être tranquille aussi, ça arrive. Mais bien sûr, oh là là. Dans le camion cellulaire, monsieur, moi. Ouais. On m'a dit, ou tu me fais une petite gâterie, ou t'auras pas le droit de fumer. Ah, d'accord. Voilà. Ils sont bien dans la police. Oui. Et croyez-moi, c'est pas ce que je dis, c'est vrai. J'ai des petits sur la tête de mes petits-enfants que c'est vrai. Et dans le panier à salade, hein? Et les pipes qu'on leur faisait, hein? Moi, j'ai beaucoup de clients, des personnes âgées qui n'ont plus de femme, qui sont veuves et tout. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ils vont s'accouper, hein? Ah ben, ils vont être obligés, hein? Comment ils vont faire? Ou alors, ils vont péter les plombs. Hein? Ou alors, ils vont péter les plombs. Ils vont aller agresser les gamines, ils vont aller, hein? Et on parle de pédophiles et tout. Mais les pédophiles, qu'est-ce que c'est que les pédophiles? Ils viennent de où, les pédophiles aussi, hein? Bon, hein? Tous les hommes, elles sont bien moins une fois avec une fille, hein? Même les politiques. Hein? Quand vous avez des envies, hein? Les hommes politiques, ils viennent pareil. Hein? Il y a une fille qui a une preuve comme quoi Chirac est avec un noir. Alors, je vous dis, alors il faut l'entendre, ça. Et ça, c'est vrai. Là, c'est pas mal, ça. Ouais, Chirac, il se fait noir, hein. Et un bien noir, hein. Alors, Chichi, il peut entendre ça. Parce... Chirac se fait un gros noir. Saviez-vous, madame? Oui, Chirac se fait un gros noir, ouais. Ah ouais, il a été vu plusieurs endroits. Hein. Tiens, mais bien sûr qu'il a été comme tout le monde, Sarkozy. Bah tiens. Bah, je me demande même si Sarkozy serait pas les deux, moi, pour moi. Ah voilà, ma peur. Ce matin, on a une copine au bois, là, qui est venue me voir ce matin. Enfin, une copine, un copain, si vous voulez. Il est venu me voir, il m'a dit, mais Sarkozy, moi, je l'ai sucé pendant 6 mois. Il venait faire son jogging avec son chauffeur tous les jours, je l'ai sucé pendant 6 mois, mais oui! Ah mais oui! Dommage qu'il n'est pas là parce que... Ah mais oui!